C'était il y a 15 ans, un 14 mai. Ce jour-là, la Sainte Vierge montrait sa bonté toute maternelle et permettait l'ouverture de notre restaurant pour les pauvres dans le quartier d'Austin à Chicago. Cet événement, tout simple et ignoré de tous, fut cependant bien grand. Années en effet que Mgr Jean-Marie fournit des repas équilibrés, copieux et délicieux à tant et tant de personnes dans le besoin, abandonnées, délaissées. Depuis 15 ans, chaque jour, dans l'ombre et sans bruit, ce service est offert par n'importe quel temps tout au long de l'année. Chaque jour, le pauvre qui a passé la nuit dehors et la dame âgée seule et sans chauffage, et cette jeune maman avec tous ses bambins, chaque jour, tous ces pauvres de Jésus-Christ reçoivent un repas qui leur permet d'affronter l'avenir et de reprendre force et courage. C'est une œuvre de charité, c'est une œuvre de miséricorde. Secourir ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus, c'est l'Évangile mis en pratique. Mais que de travail cela demande, il ne s'agit pas de prendre son temps. C'est une vraie organisation chaque jour pour cuisiner des centaines et des centaines de repas. Quel courage et quelle ardeur il a fallu à ce serviteur des pauvres pour passer au-dessus de bien des difficultés et ouvrir ce centre, le développer et qu'il porte tant de fruits. Ainsi, les pauvres sont plus heureux. Ainsi, le cœur de Jésus est consolé dans son humanité souffrante. Je m'appelle Stacy Smith. Je suis heureuse d'être ici. J'aime bien venir ici
quand j'en ai la possibilité et dîner avec une partie de la communauté. Et j'apprécie tout ce que tout le monde a fait dans cette église et cette communauté. Je fais partie de cette communauté depuis 40 ans. Oh, ça fait longtemps! Oui! Bonjour Margaret, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien depuis que je suis arrivée ici, en courant quand j'essayais d'arriver à temps. J'avais une réunion scolaire ce matin, j'ai dû l'emmener à l'école et je l'ai récupérée à 11h20. Et une fois que je l'ai récupérée, je me suis mise en route pour ici parce que je ne voulais pas manquer le déjeuner. Je viens tous les mercredis à la distribution des sacs alimentaires. Oh mon Dieu, je ne sais pas ce que je ferais si à présent je ne venais pas à cette distribution. Vous êtes tous tellement bons. Alors aujourd'hui, c'est une occasion spéciale. Monseigneur Jean-Marie est ici parmi nous. Toute cette nourriture est belle et bonne. Merci. Oui, merci Margaret. Merci à vous tous d'être là. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci et bon appétit. Oui, je viens tous les ans à l'anniversaire, mais elle ne me donnera pas de l'harpe, ma grand-mère. Oui, mais elle est tout de même très gentille. Et je vous remercie. S'il vous plaît, revenez l'année prochaine et à chaque fois. Bonjour Anna. Salut. Monseigneur est ici aujourd'hui. Il nous sert de la nourriture et nous sommes heureux qu'il soit là. Il est venu de loin pour nous visiter et nous sommes vraiment bénis. Et nous le remercions de nous servir. Il n'avait pas besoin de les faire, mais il l'a fait. Et j'aime le fait qu'il nous aime ainsi et qu'il ait pris le temps de faire ça. Je l'aime pour avoir fait cela. Et vous êtes venu avec vos petits-enfants aujourd'hui? Je suis venu avec mes arrière-petits-enfants aujourd'hui. Ce sont mes arrière-petits-enfants. Voici Jalisha. Et nous sommes venus avec quelques amis. Ils font encore la queue. Ils sont encore en train d'attendre. Monseigneur est encore en train de servir. Je suis tellement fière qu'il soit venu. Il a pris du temps pour faire cela. Il n'avait pas besoin de les faire. Mais il l'a fait. Parce qu'il aime servir. Il nous aime tous. Il n'arrête jamais. Il n'arrête jamais de nous aimer. C'est ce que je crois et je ne vais pas cesser de l'aimer à cause de cela. Depuis quand venez-vous chez nous? C'est la deuxième année que je viens. C'est ma deuxième année et tout le monde me traite très gentiment. Tout le monde me traite comme dans une famille. Et c'est ce que j'aime ici. Quand je suis déprimée, ils me soutiennent. Et quand je ne le suis pas, je les soutiens. C'est ce que j'aime dans cette église. Merci Anna. Oh, je vous en prie. Et Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi.
Je suis béni d'avoir rencontré Monseigneur. Et j'apprécie que tout le monde soit venu ici pour les 15 ans qui nous servent. Et Dieu vous bénisse tous. Merci. Dieu vous bénisse aussi. Merci. J'apprécie et je suis tellement content d'avoir pu enfin rencontrer Monseigneur, vous savez. Merci pour 15 années de plus, d'accord? Merci. Avez-vous apprécié le repas? Oui. C'était bon? Oui, oui. Okay. Dieu vous bénisse aussi, ma sœur. Alors à demain. D'accord, je serai là. Oui. Merci beaucoup. Bonjour ma sœur, et merci à tous d'être venus, que ce soit l'équipe habituelle ou ceux qui sont venus avec Monseigneur. Nous sommes tous contents et c'est un repas exceptionnel. Votre Église fournit le meilleur service et elle a réussi à être la médiatrice entre le service de Dieu et le fait de nourrir les gens et de garder l'endroit propre et ordonné. Merci pour tout. Tout le monde est humanitaire et nous voyons que c'est une entière confiance, une croyance ferme en Dieu. C'est ce que vous faites et c'est important. Et encore merci à Monseigneur d'être venu ici. La seule chose que je voudrais dire, c'est un message à l'Église. L'Église qui prend un développement majeur et mène tous les pauvres gens à se libérer du mal. Merci beaucoup. Je vous en prie, et Dieu vous bénisse. Merci, ma sœur. Et nous prions pour vous. Merci. Merci beaucoup d'être venu ici. Comment allez-vous? Je suis Willy. Avez-vous apprécié le repas aujourd'hui? Oh oui. Êtes-vous content? Oui, je suis très content. Si ce n'était pas grâce à vous tous, nous ne serions pas là. D'accord. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Une œuvre de miséricorde, c'est-à-dire l'œuvre de la Mère de miséricorde et Mère de l'Église qui prend soin de tous ses enfants. J'apprécie beaucoup le restaurant gratuit. Vous avez toujours d'excellents services ici. J'ai vu Monseigneur aujourd'hui. Vous avez du bon pain aujourd'hui. Vous avez toujours du bon pain. Vous êtes toujours gentil et aimable avec les gens et je vous apprécie vraiment beaucoup. Continuez votre bon travail. N'allez pas ailleurs, on vous aime et Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse aussi. Merci. Bonjour, Monsieur Jim. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Je travaille de nuit à Walmart et je viens juste de me réveiller, alors je me suis vite habillé pour venir ici parce que je savais que je n'avais pas grand temps et je ne regrette pas d'être venu. C'est un excellent repas que vous nous servez. J'ai déménagé en face de l'ancien YMCA il y a un an et depuis j'utilise cette ressource de nourriture parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent en ce moment, alors je dois faire attention à mon budget. Et je pense que c'est un excellent service que vous nous donnez. J'ai aussi assisté à la messe qui est en latin. Il n'y a plus beaucoup d'églises de nos jours qui la font ainsi. Alors c'était un peu différent d'aller à une messe en latin. Quand j'étais petit garçon, en tant qu'enfant de cœur, j'avais dû apprendre le latin pour réciter le Confiteor au début de la messe. Alors Dieu bénisse la fraternité Notre-Dame.
été offert pour pouvoir servir le monde. Aller sur le pont, prendre le dos à la vie, servir les plus pauvres, pour nourrir aussi ceux qui viennent et après se rendre à vie. Voilà. Dieu s'habille nous. Remercier la Sainte Vierge, il a donné un si joli camion et aussi pratique pour servir les plus pauvres. Mais il n'y a pas que le restaurant pour les pauvres, il y a aussi la distribution hebdomadaire de nourriture aux familles, et ceci représente une tâche considérable quand on sait que le lendemain, tout sera entièrement distribué. Merci à Mgr Jean-Marie pour ces 15 merveilleuses années et pour toutes les autres à venir. C'est bien ce que disent les enfants que nous réconfortons et tous nos amis et rois, car nos pauvres sont nos rois et nous les servons de tout notre cœur.